Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là donc pour ce second webinaire à destination des futurs organisateurs de Portes Ouvertes. Alors, l'enjeu de ce temps d'échange, c'est de vous donner un rapide historique de pourquoi on propose ces Portes Ouvertes, de vous présenter les enjeux, nous, les intentions qu'on y met, vous rappeler utilement le calendrier, vous présenter certains outils qu'on met à votre disposition pour vous faciliter l'organisation, vraiment pour vous concentrer sur la rencontre le jour J. Et donc juste pour le petit mot d'historique, donc les portes ouvertes, on va être sur la cinquième édition. Ça a commencé les portes ouvertes à une période que je vais heureusement vous rappeler, à savoir la saison de Covid. Donc après des mois de confinement, on avait profité d'un créneau pour en fait satisfaire le besoin qu'on ressentait à la communauté, un fort besoin de rencontres, un fort besoin d'échanges. Donc c'était sur un interstice entre deux confinements. Du coup, on avait proposé la première édition des Portes Ouvertes. Et en fait, les retours ont été tellement positifs, on a eu tellement de témoignages d'organisateurs, de porteurs de projets, d'organisateurs de chantiers, de porteurs de projets, de participants qui, en fait, nous ont avoué avoir eu le déclic en allant chez les uns, chez les autres. Il y en a pour certains, ça a permis de concrétiser un peu le projet, pour d'autres, de se rendre compte que, ben, en fait, il existait d'autres modes de construction, qu'il existait d'autres techniques, qu'il existait des choses qu'ils n'avaient pas forcément envisagées malgré leurs longues recherches pendant les longs mois de Covid sur l'Internet. Donc voilà. Et puis surtout, en fait, se rendre compte que bah, en fait, l'entraide, ça existe vraiment, qu'il y a des acteurs sur l'ensemble du territoire. Et donc, en fait, c'est pour toutes ces raisons que depuis, bah, en fait, on reproduit l'expérience chaque année. Et en fait, on est très heureux parce que chaque année, vous êtes bah, de plus en plus nombreux en fait, à nous rejoindre, à participer en fait, à ce grand événement qu'on en fait, on a pensé comme en fait, les rencontres de la construction écologique, au-delà même des rencontres Twiza. Donc, c'est vraiment ça qu'on célèbre ensemble donc, chaque printemps à cette occasion. Donc voilà, pour vous rappeler un peu les missions du réseau Twiza et ce pourquoi aussi c'est dans le prolongement de notre projet. Donc comme vous savez, en fait, la coopérative Twiza, donc coopérative d'intérêt collectif, c'est d'engager sur en fait un certain nombre de missions et toutes les choses qu'on est amené à développer avec notre communauté en fait correspondent à ces différentes missions. Première mission, développement et préservation du lien social. Donc évidemment par le chantier participatif, par la mise en place de plateformes collaboratives, donc la plateforme des chantiers, par la création d'un forum d'entraide, donc destiné finalement à encourager bah, l'entraide, la transmission de savoir entre particuliers, entre constructeurs, entre professionnels. Faire en fait en sorte que les gens se rencontrent, qu'ils créent du lien. Bâtir du lien, c'est notre slogan, c'est notre mot d'ordre. Donner l'accès au plus grand nombre à de l'information de qualité. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux aussi de ces portes ouvertes, diffuser et permettre la réappropriation des savoirs et des savoir-faire autour de la construction écologique, que ce soit voilà, des techniques de construction ancienne, l'utilisation de certains matériaux. L'idée, c'est vraiment, voilà, dans un esprit d'éducation populaire, de permettre et d'encourager et d'organiser cette transmission de pair à pair, de sachant à apprenant. Voilà, curieux à confirmer. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on propose aussi ce type de rencontre. Le renforcement de la cohésion territoriale. Donc ça aussi, c'est un des gros enjeux. Nous, on a un réseau qui est extrêmement décentralisé. On a vraiment des entités un peu sur tous les territoires. On a des tweezers de partout. Et d'ailleurs, je pense que ce soir, les gens qui sont là représentent une belle cartographie de la France. Et donc, participer au développement durable de notre société dans ses dimensions sociales et aussi donc, dans ses dimensions environnementales. C'est les deux éléments donc, du bien connu développement durable. Les intentions des portes ouvertes donc, sont multiples. Premier, donc, c'est se rencontrer localement, faire la rencontre avec des personnes sur son territoire. Ça peut être des curieux, des constructeurs, des professionnels, pourquoi pas même des clients pour les professionnels qui sont avec nous ce soir. Échanger autour de la construction écologique, inspirer et rassurer donc, les personnes qui ont un projet comme ça. Voilà, les personnes qui sont vraiment en amont de leur projet, qui sont curieuses, qui se posent encore des questions, en fait, ça peut vraiment être un vrai déclic, comme je pense que ça l'a été pour
plusieurs d'entre vous ce soir, de rencontrer ben, des gens qui font, des gens qui se sont lancés, des gens qui ont pris des engagements. Partagez votre expérience, le temps d'une après-midi, d'une soirée autour de l'éco-construction. Ça peut être aussi un temps très important en fait pour faire découvrir votre chantier localement. Pourquoi pas pour motiver de futurs bénévoles, pour créer du lien à terme. Et enfin, pour les professionnels, présentez votre activité professionnelle et associative. Nous, on ouvre vraiment la porte à tout le monde et c'est vraiment un temps pour permettre à tous de voilà, se rencontrer, cohabiter, etc. Plus que de longs discours, j'ai envie de vous montrer quelques exemples de portes ouvertes pour vous montrer la diversité des formes que ça peut prendre. Nous, on aime à se dire que, en fait, il faut vraiment proposer une porte ouverte qui vous ressemble, avec laquelle vous soyez à l'aise. Pas besoin d'une organisation exceptionnelle. En fait, des petites rencontres peuvent vraiment, enfin voilà, des petits événements peuvent aussi donner lieu à des grandes rencontres. Donc, par exemple, voilà, la visite du chantier de Materne, qui est un constructeur qui accueille pas mal de bénévoles, pas mal de bénévoles chez nous dans le Grand Est. La forme de guinguette, par exemple, dans cet habitat participatif. Des formes plus atypiques, mais en fait, on est aussi ouvert à toutes les propositions. Par exemple, une rencontre entre femmes professionnelles des métiers de l'éco-construction à Albertville, à côté d'Albertville. Donc voilà, là, c'était une volonté à plusieurs professionnels de l'habitat écologique de se connaître, de se rencontrer, d'avoir un temps d'échange, de rencontre autour de voilà, pour faire du lien, pour échanger sur leurs pratiques. Après voilà, donc tous les événements sont en théorie le plus grand public. Par exemple, Amy qui avait proposé l'année dernière un apéro, un twiz apéro, elle l'avait appelé. Tout simplement en fait, elle avait en fait ouvert son lieu et accueilli en fait toutes les personnes qui voilà étaient intéressées par la construction écologique. Donc vraiment un format assez simple à organiser pour finalement bah voilà un apéro assez convivial auquel bah, il y a eu quand même pas mal de participants qui ont pu bah, déjà échanger leurs numéros, se rencontrer pourquoi pas créer du lien sur le long terme. Visite de maison autonome, je vais avancer un peu. Visite de rénovation terminée ou en cours ou à venir même. On a eu voilà de l'habitat atypique. Pourquoi pas si vous en avez la capacité aussi, ça fait des très bonnes portes ouvertes, mais des ateliers de découverte. Ici, un atelier de découverte des enduits. Ou encore, bah, voilà, visite d'écolieux, si vous avez des écolieux. Et j'ai rajouté aussi des exemples. Voilà deux professionnels. Ici, donc c'est la SIC Tetris qui propose des formations en éco-construction, qui profite de ces journées pour faire découvrir le métier d'ouvrier professionnel en éco-construction. Démonstration de terre-chanvre projetée organisée par Arthur. Ou encore goûter, café ou apéro-discussion organisé par Floris à Marseille, qui lui donc fait du conseil sur donc la conception d'habitat, donc dans les phases un peu amont de projet. Donc là, pour vous donner un peu des exemples, l'idée, voilà, c'est que ça peut prendre des formes très diverses. Il ne faut pas hésiter à nous faire des propositions. Et puis là, voilà, si vous avez des questions d'ailleurs sur les idées que vous pouvez avoir, bah, l'idée, c'est aussi d'en parler ce soir. Donc, qui peut organiser ces rencontres? Donc, en fait, un peu tout le monde, on a envie de dire, toute personne qui, en fait, se reconnaît dans notre charte. Donc, a priori, si on est réunis ce soir, c'est que quand même, voilà, on se connaît, enfin, vous nous connaissez, vous partagez une partie de nos engagements. L'idée aussi, donc, c'est donc de s'approprier les différents outils qu'on met à votre disposition. On les met aussi pour vous épauler le temps de ces rencontres. Chacune de ces rencontres, c'est aussi une bonne occasion, ben, de présenter le réseau Twiza, présenter nos activités, voilà, faire découvrir en fait le chantier participatif, la construction écologique au plus grand nombre. Donc nous, on vous propose une présentation du réseau en quelques slides. C'est très facile à s'approprier. C'est super, bah, déjà pour nous aussi, de prendre un vrai temps pour présenter le réseau et échanger dessus. Des éléments pour rendre aussi votre élément, enfin cet événement plus convivial. Voilà, on a recueilli un certain nombre de bonnes pratiques pour bah, voilà, faciliter au maximum l'organisation. On vous invite aussi à pas hésiter à, dans vos présentations, mettre les gens à contribution, les faire venir avec un petit quelque chose pour voilà, faire vraiment de ces moments des moments de partage. Et des outils finalement donc, pour communiquer localement sur votre porte ouverte.
Donc, on vous propose une affiche à personnaliser, une espèce d'affichette à personnaliser, à coller dans les commerces à proximité. Pourquoi pas, voilà, dans des lieux qui vous paraissent intéressants, dans des locaux associatifs ou autres. Et un communiqué de presse, idem, à personnaliser et envoyer à des journaux, des journalistes locaux. Il faut savoir que la presse quotidienne régionale est assez friande de ce type de rencontres et d'événements. Et les journalistes sont assez disponibles pour vous répondre. Voilà, pas hésiter aussi à organiser cette diffusion. Je pense qu'on organisera un petit peu, normalement, si vous êtes là ce soir, vous avez en partie rejoint le forum des organisateurs de chantier. On continuera à donner aussi des bonnes pratiques au fil du mois durant lequel on va communiquer pour remplir ces différents événements, pour en fait vous aider dans cette promotion de vos rencontres locales. Voilà, dernier élément, donc les membres actifs. Donc les membres actifs, c'est qui? C'est les ambassadeurs du réseau Trouva, c'est des bénévoles qui ont organisé des chantiers à nos côtés, il y en a pas mal qui sont présents déjà ce soir. L'idée, c'est, voilà, ils peuvent aussi vous renforcer sur vos portes ouvertes. Vous pouvez, moi aussi, je relais, j'ai eu des demandes de personnes qui m'ont dit. Qu'elles aimeraient bien être accompagnées dans l'organisation d'un événement. Voilà, l'idée, c'est que moi, je peux diffuser l'information dans ce petit cercle au sein de Twiza, qui, voilà, s'ils sont à côté, peuvent aussi être des soutiens pour voilà, vous aider à promouvoir l'événement, présenter Twiza le jour J. Voilà. Donc, pas hésiter à nous contacter pour en savoir plus aussi sur ce point. Rappel du calendrier, c'est utile. Donc, aujourd'hui, on en est donc au deuxième webinaire de questions-réponses. On est sur la dernière semaine là, donc pour proposer des événements. Idéalement, moi j'aimerais bien recevoir l'ensemble de vos propositions avant donc le dimanche 11 février. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du 12 février, en fait, on va commencer à lancer les inscriptions. Donc d'abord en local. En fait, à partir du 12 février, vous pourrez déjà communiquer auprès de vous, envoyer votre page de porte ouverte aux personnes à proximité pour qu'elles commencent à s'inscrire. Puis on va commencer à faire vraiment une communication plus nationale dans ces eaux-là. Et enfin, du 8 au 17 mars, c'est le moment de la rencontre, donc il n'y aura plus qu'à profiter. Donc les différentes étapes. Donc ça commence par un formulaire à remplir avec donc une description assez détaillée, le programme complet. On s'est donné un max de 3 sessions par événement. Ça peut être 3 horaires dans une journée, ça peut être 3 soirs de semaine, ça peut être plein de choses différentes, ça peut être 2 jours d'affilée. Relecture de vérification de notre côté, donc on modère chacune des propositions avant de les publier en fait sur une carte où toutes vos portes ouvertes paraîtront. Donc avec donc les dates, les horaires, le lieu, voilà. Et inscription des participants à partir du 12 février. Donc à chaque fois qu'un participant s'inscrira, vous recevez un mail avec son nom, son prénom, son téléphone. On vous encourage à les contacter rapidement par téléphone ou par SMS parce que ça, il y a un vrai meilleur taux d'engagement lorsque vous avez cette prise de contact ou tout du moins si les personnes doivent annuler, elles vous préviennent un peu mieux à l'avance. Il y a des gens qui chantent quelque part, si vous voulez bien couper vos micros juste le temps de la présentation. Et après, je vous laisserai la parole pour chanter ou pour poser vos questions. En cas d'annulation, donc deux cas, si c'est vous qui annulez, merci de nous prévenir à l'avance. Amy, je crois qu'il est là ce soir d'ailleurs. Donc prévenir Amy ou moi en amont pour que voilà, nous, on supprime l'événement et qu'on arrête les inscriptions. Et si c'est un participant qui annule, bon bah là l'idée c'est que voilà, vous gériez avec lui ou elle la relation. Chose importante, on recommande d'augmenter un peu les jauges. C'est pas rare d'avoir des désistements de dernière minute. Donc si vous voulez ouvrir à 10 personnes, prévoyez plutôt peut-être à 15 ou 20. Je dis pas qu'il y aura 5 annulation, mais voilà. On a un peu performé aussi amélioré le système d'inscription. Voilà, pour les anciens, a priori, il y aura moins de confusion cette année, même si l'année dernière, on a eu plutôt des bons retours là-dessus.
Voilà, quelques bonnes pratiques, très rapidement. Donc, nous communiquer une ou plusieurs photos les plus belles possibles, voilà, avec un titre parlant, voilà, assez explicite sur ce qui va se passer. Voilà, pour jauge max, prévoir quelques places en plus. La mise en relation, donc SMS ou téléphone. Contacter la presse locale, je vous jure, on a vraiment des très bons retours là-dessus. Et puis, le jour J, prendre des photos. Ça serait qu'on vous le demande en amont et en fait on est toujours très heureux de recevoir après coup vos photos de groupe. Pas hésiter aussi à demander aux gens d'ailleurs s'ils veulent être pris en photo, ce qui c'est un peu les bonnes pratiques. Et puis en fait nous faire un retour d'expérience par la suite. D'ailleurs je voulais terminer par quelques stats juste pour vous donner un peu voilà les langues que peut représenter ce grand moment pour Twiza. Donc voilà, suite aux rencontres, voilà, plusieurs personnes ont souhaité, 75% ont souhaité approfondir des sujets avec l'auto et l'éco-construction. 70% ont été motivés pour participer à des prochaines portes ouvertes. Et puis voilà, ça a été un déclic pour 60 personnes, 60% pardon, des participants pour participer à des chantiers. Globalement, vous voyez que les gens recommandent ces portes ouvertes. Peut-être que d'ailleurs, il y en a plusieurs ce soir ici qui ont entendu parler des portes ouvertes par bouche à oreille. Et voilà, pour vous donner aussi un peu un aperçu de la sociologie des gens qui pourront participer. Donc, c'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui ont des travaux, c'est aussi des professionnels ou des gens qui se posent aussi des questions sur leur devenir professionnel ou personnel. Et quelques témoignages. Voilà, je vous les laisse les lire. Mais voilà, globalement, franchement, on a des super retours sur ces rencontres. À travers ces témoignages, à travers ces questionnaires qu'on fait circuler, et en fait, c'est constant que tout au long de l'année, on nous fasse des retours sur un tel, en fait, est passé à l'acte et en fait, a organisé son chantier participatif parce que ça voilà, il a la petite graine à germer, la petite graine plantée au moment des rencontres a germé et du coup, il a eu le courage de se lancer. Enfin voilà, pour vous donner quelques témoignages, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais couper mon partage d'écran et vous laisser la parole. Déjà, peut-être que ça fluidifiera les échanges, mais je sais qu'il y a... Alors ça, c'est un peu improvisé. Ah, il y en a déjà qui doivent nous quitter. Bon, ça marche. Quelle heure est-il? Non, ça, je peux trop regarder. Juste, il y a quelques anciens parmi nous ce soir. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent prendre la parole pour nous faire un retour d'expérience un peu plus perso de leur porte ouverte? Ouais, Caroline? Bonsoir à tout le monde. Donc moi je suis du Var, j'ai rejoint les membres actifs l'année dernière et du coup j'ai fait mes premières portes ouvertes. Donc sur mon chantier, je venais à peine d'emménager, donc c'était vraiment le chantier, voilà. C'était la première fois du coup que je présentais mon projet puisque moi je suis pro en fait de l'éco-construction, je fais du conseil et de la formation. Et j'avais, alors il y a eu un couac sur les inscriptions, mais maintenant c'est réglé apparemment. J'avais mis une jauge de 10 et en fait, moi, j'ai eu zéro annulation. J'étais un peu victime de mon succès. Du coup, je me suis retrouvée avec 15 personnes, en fait, d'un coup. Voilà, donc, bon, j'ai géré, mais c'est vrai que, du coup, cette année, je vais faire différemment parce que je me suis rendu compte que, voilà, 15 personnes pour gérer toute seule et les cafés et parler à tout le monde et tout ça, c'était... voilà, j'ai pas pu me couper en 15, donc j'avais un peu de regret sur ça, du coup, de ne pas pouvoir plus échanger avec les personnes qui étaient là. Du coup, cette année, je vais faire différemment. Je vais peut-être faire par demi-journée et moins de personnes, plus de sessions, mais moins de personnes, du coup, pour que ça soit un peu plus qualitatif, on va dire. Voilà. Alors, c'était un super, super moment. Très énergivore, du coup, de parler pendant au moins 4 ou 5 heures, je crois, parce que ça arrive à 14 heures. Il y en a qui sont restés jusqu'à 18 h, 18 h 30. Donc, il y a un groupe qui est parti au bout de 2 heures et après, il y en a d'autres qui sont restés. Enfin, voilà, j'ai montré les photos du chantier, on a échangé. Franchement, c'était Intense. c'était super intéressant, c'était super enrichissant, mais c'est vrai que ça demande de. Enfin, moi, du coup, ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que j'aime bien le donner et du coup, ça. Enfin, voilà, je suis sortie de là, je t'ai portée, mais c'était super, une super expérience. Voilà.
C'est ta générosité qui a fait. Je sais pas, mais bon, après, c'est tombé aussi. Non, mais C'est c'est vrai un qu'en fait, gentil c'est souvent déplacement. des chouettes profils et des gens qu'on a envie de connaître. Donc, c'est vrai que. Mais oui, si vous avez peur, effectivement, que vous pouvez commencer petit. Mais voilà, vous êtes vraiment libre de jauger comme vous le souhaitez. Et pas hésiter à faire, effectivement, peut-être plusieurs sessions pour gérer peut-être ça au mieux. Et au niveau juste sur le taux d'engagement, c'est vrai que moi, du coup, dès que j'avais un mail avec les coordonnées, j'ai appelé directement les personnes. Je n'ai pas juste envoyé un SMS, j'ai appelé directement bah, parce que je voulais savoir déjà bah, qui venait chez moi quand même aussi. Donc, du coup, voilà, j'aimais bien échanger déjà un peu avant. Et c'est ça, je pense, aussi qui fait que les gens, il y avait eu zéro annulation. Et des fois, ils ont dit, ah, bah, j'ai mon voisin qui est intéressé, est-ce que je peux le ramener? Et du coup, c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée à 15, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que peut-être que ça peut en rassurer certains. Donc voilà, on ne communique pas vos coordonnées publiquement, hein. L'idée, c'est qu'il n'y a vraiment que les personnes qui s'inscrivent à votre porte ouverte, qui ont du coup votre contact, votre adresse et les informations pour se rendre chez vous. Donc on a des fois eu un peu ces retours. Voilà, c'était aussi pour vous rassurer sur ce point. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Allez, Jean-Luc, je te laisse la parole. Ben, je rejoins un peu Caroline. Donc, la première année, le chantier n'était pas fini. Donc, ça permettait justement d'expliquer un peu plus au niveau des travaux. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer les gens du 04 qui sont devenus même des amis et d'autres qui sont d'autres collaborateurs au niveau de travail qu'on peut faire ensemble ou tout simplement d'autres tweezers. Donc, c'est toujours agréable. La deuxième année, on a évolué un petit peu et on a agrandi un peu la structure. On s'est dit en même temps, ben, c'était un gîte chez nous, donc c'était l'occasion de faire un peu connaître aux gens du village le gîte. Et effectivement, ben, soit ils devaient louer, ils avaient un peu peur de franchir le cap de la porte. Donc, moi, comme ça, c'était une occasion de le faire. Et je dirais même maintenant, ce qu'on va faire pour la quatrième année, on va carrément organiser des ateliers. On a plus ou moins 9 ateliers qui seront faits avec des petits producteurs locaux, qui sont ben, un producteur de bière notamment, un producteur d'huile et des petites choses comme ça. Mais on a aussi un constructeur d'une maison un peu atypique, qui est la maison en pétales, qui viendra sur place présenter un peu sa construction. Moi, je m'occuperai aussi de l'atelier consacré ben, à mon accompagnement, je propose. Et en même temps, il y a aussi d'autres personnes qui sont par exemple un jardinier écologique qui veut montrer un peu quelques solutions qu'on peut apporter. Et du coup, ben, par rapport à Caroline, on a réparti avec plusieurs ateliers. Ça permet justement à chacun d'avoir plus de temps et d'aller vers des choses qui l'intéressent plus ou pas. Et puis, ça se crée, ben, ça fait un événement qui devient un peu plus important et ça peut être quelque chose de sympa. Après, on peut commencer tout petit, rester comme ça aussi, hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Et je trouve ça très super dans ton merci Jean-Luc. C'est vrai que c'est voilà, c'est bien aussi ce que disait Caroline et comme toi d'ailleurs, c'est voilà, vous étiez tous les deux en phase chantier aussi quand vous avez commencé à accueillir du monde. Et voilà, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir un chantier fini, c'est même pas forcément d'avoir une maison. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut aussi même prendre la forme juste d'un apéro, pourquoi pas même d'une rencontre dans un café associatif ou autre. Ça peut, voilà, en fait, tout peut être prétexte en fait à un événement, à une rencontre. Donc, c'est vrai que maintenant, Caroline et Jean-Luc sont aussi des professionnels portes ouvertes. Et je sais pas, Émilie, je crois que tu es là, je crois. Je sais pas si tu es connectée ou pas. Si tu veux nous faire un témoignage. Ou sinon, je vais laisser la parole aux personnes qui sont là et commencer à répondre à vos questions. Je vois, Ben, que tu lèves la main si je ne m'abuse. Ouais, et ben vas-y, je t'en prie, prends la parole. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend déjà? On t'entend très bien. Parfait. De petits retours d'expérience. Moi, j'ai une toute petite maison qui intéresse pas mal. J'ai fait 6 places comme l'année dernière. J'ai rempli 6 places et j'ai fait 2 sessions cette année. L'année dernière, je n'avais fait qu'une seule. Ce qui intéresse bien les gens, c'est d'avoir aussi des chiffres, des données chiffrées, parce que moi, ma maison est terminée, il y a une retour d'expérience depuis 2 ans, elle est finie, et ça plaît bien. Voilà. Et j'avais un autre truc à dire, mais je ne sais plus quoi, donc c'est pas grave, écoute, je Ça reviendrai. revient, hésite pas. Effectivement, mais je trouve que c'est super intéressant le côté données chiffrées, choses à montrer. Effectivement, bah, vous êtes un peu libre voilà, de montrer ce que vous voulez, mais ça peut être aussi donc, plein de prétextes à des vraies discussions sur les projets, sur les phases projet. Donc, ouais, c'est Là, chose. si, j'ai retrouvé, c'était qu'une personne m'a contacté en dehors des heures enfin, il voulait venir tout seul
une visite privée en dehors des sessions, j'ai refusé. Voilà. D'accord. L'idée, c'est quand même d'être interactif, Ouais, bien d'avoir un sûr. petit groupe et de pouvoir échanger, et les questions-réponses intéressent tout le monde. Et encore une fois, vous avez la main dessus. C'est vrai que voilà, à la fin, c'est vous aussi qui gérez la relation. Donc effectivement, même si ça dépasse un peu votre jauge, nous on vous dit, hein, vous êtes en droit aussi de dire, bah écoutez, moi je suis pas en mesure d'accueillir plus que X personnes. Même des fois, et voilà, des fois sur les phases chantier, c'est bien de pas avoir trop de monde. Et après, j'ai aussi des témoignages de personnes qui, j'ai notamment un qui me revient de voilà d'organisateurs qui en fait ont eu des visiteurs. Et ensuite, sont allés à la porte ouverte de la personne qui est venue visiter chez eux. Et je sais qu'à la fin, ils se sont même mis en lien pour faire des achats groupés de matériel et échanger des outils, échanger des choses comme ça. Donc, comme le disait Jean-Luc, ça peut aussi donner lieu à des échanges sur le long terme, voire à des amitiés, voire à du bénévolat sur votre chantier. Donc voilà. Alors, Jacques, tu as levé la main et Arnaud aussi. Alors, juste une chose, je vous inviterai à utiliser les réactions parce que vous êtes nombreux ce soir et donc je ne vous vois pas forcément toutes vos caméras. Donc, si vous voulez prendre la parole, voilà, vous voyez en bas, il y a un petit onglet réaction, vous pouvez lever la main dessus. Comme ça, je peux vous donner la parole. Donc, Jacques et Arnaud. Ah, c'est pas vrai. Ah. Ouais, Jacques, je t'en prie. On ne t'entend pas. Ou c'est que moi? Jacques, je suis désolé, on ne t'entend pas. Je vois un plâtre, mais. Écoute, Jacques, je te laisse régler le problème de son. Au pire, tu peux nous écrire si tu n'arrives pas après. Attends, ça marche là ou pas? Ouais. Bon, Arnaud, je prends ta question et Jacques, je te la redonnerai la parole après, si tu arrives à remettre ton micro. On ne t'entend pas non plus. Pas ce que Oui, normalement, ça devrait être bon. Be good. Voilà, on t'entend. Ah, ouais, vous m'entendez là? Yes. Yes. Salut à tous. Voilà, moi je suis ouvert Hello. sur faire visiter ma maison qui est dans une démarche environnementale. La seule chose, c'est que autant je suis ouvert sur mes expériences bonnes ou mauvaises sur la construction écologique, autant sur la promotion, ça m'embête un petit peu. Et est-ce qu'on peut être accompagné par quelqu'un de Twiza pour la promo? Voilà. Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'occupe du gros de la promotion de vos portes Ouais, ouvertes. Voilà, ouais. nous, on dialogue avec une communauté qui est quand même assez dense, riche. Ouais. On a 10 000 personnes qui suivent avec assiduité nos informations. Voilà, nous, on s'occupe de relayer quand même l'information au maximum avec les moyens qui sont les nôtres. Non, simplement, je disais pour celles et ceux d'entre vous qui ont des contacts journalistes, on sait que ça arrive assez régulièrement. Et encore une fois, dans Ouais. certains coins, c'est assez facile en fait d'avoir ces contacts-là. Vous pouvez le faire et nous, c'est super parce que c'est des soutiens, c'est des relais. Mais globalement, c'est nous qui faisons quand même la communication et qui mettons en lumière vos événements. Après, je disais en fait. Voilà, je donnais des éléments pour s'autonomiser au maximum. Je sais que par exemple, il y en a parmi vous qui, désolé, je vais y arriver ce soir, il y a pas mal parmi vous qui ont des listes de diffusion, qui ont des réseaux aussi, parce qu'ils sont dans des assos, parce que plein de choses. Et donc l'idée, c'est aussi bah, voilà, de profiter de ce moment-là pour permettre à tous vos réseaux de se rencontrer, de se contacter. Je sais qu'il y a pas mal d'ailleurs de portes ouvertes, j'ai pu assister à certaines d'entre elles où c'était carrément l'occasion pour se retrouver avec tous les bénévoles qui étaient passés sur le chantier.
C'était la bonne occasion de retrouvailles sur le projet. Voilà, je donne plein d'exemples en fait. L'idée, c'est que vous pouvez aussi être créatif et capitaliser sur vos réseaux. Et cette année, alors la petite nouveauté, c'est vrai que nous, on se fait aussi accompagner sur de la presse, parce que voilà, je le disais un peu en off tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de donner vraiment une audience générale en fait à ces rencontres, ces grands moments. Donc voilà, l'idée c'est aussi de mettre en lumière vos événements auprès de personnes qui sont aussi les plus éloignées de la construction écologique et en fait qui cheminent tranquillement et pour qui ça sera un réel déclic et voire un apprentissage. Et en fait, Théo, ce que je Ouais. voulais demander, c'est que à partir, moi, j'ouvre la baraque sans aucun problème, et puis on offre un coup de cidre, un petit apéro, et on fait visiter, et on Bien sûr. partage notre expérience sans aucun problème. Mais à partir du moment où on s'inscrit, est-ce qu'on peut avoir un accompagnement de quelqu'un de Twiza qui fait la promo dans le coin, quoi. Voilà. Alors, ouais, comme je le disais, en fonction du point où tu es dans le 78, il est possible en fait que Ouais. tu vois, je te mette en lien avec du coup les membres actifs du réseau. Je sais qu'on en a dans le Ouais, 78, super. par exemple. Et donc du coup, voilà, ça peut être. Moi, je pense que je peux les relayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les membres actifs vont aussi se positionner sur vos portes ouvertes. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être contactés. Je peux pas le promettre à tout le monde parce que. On n'a pas assez de membres actifs encore. Mais voilà, il est possible que vous soyez contacté OK. par un ambassadeur du réseau qui vous dit, Ou voilà, d'accompagner, on quoi. L'idée, c'est d'être un petit peu Ouais. accompagné sur la promo, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, Et ils ont des on talents accueille divers. sans problème, on partage sans problème, et la promo, on ne sait pas faire. Voilà. Mais bien sûr. Après, de toute manière, une fois que tu as rempli ton annonce, encore une fois, tu as fait le plus gros de la promo. OK. Et après, c'est nous qui faisons le reste, quand même. Ça marche. voilà. OK. Impeccable. Claude, Jacques, Marine et Vincent. Oui, ben, bonsoir à tous. Voilà, Claude. Donc, j'ai une maison à retaper dans la Nièvre, donc dans le 58. Alors, ma question, la première, c'est parce que j'ai vu que dans le 58, c'était un peu le désert, Twiza. Ça peut s'améliorer. Ça m'améliore, ça s'améliore. Je le Et confirme. donc, ma question première, est-ce qu'il faut être absolument organisateur pour faire une porte ouverte? Non. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les rencontres de la construction écologique. Donc l'idée, c'est vraiment que toute personne qui, encore une fois, partage un peu partage nos engagements, se reconnaissent dans ce qu'on fait, se reconnaissent dans les valeurs qui nous unissent, en fait, peuvent proposer quelque chose. Et là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. Donc non, il n'est pas nécessaire d'être organisateur. Peut-être que tu le deviendras à terme. Peut-être que ça peut te donner un aperçu aussi. Et ça peut te permettre de faire des rencontres avec des éco-constructeurs de la Nièvre qui, du coup, pourront revenir sur ton chantier ou te filer des coups de main ou des conseils. Et pour info, on a dans la nouvelle promo quelques membres actifs de la Nièvre qui viennent de nous rejoindre avec Ah, le même parfait. besoin de dans le détail. Non, c'est ça c'est ça, parce que si tu veux, le chantier, à moi tout seul, je ne pourrais pas l'assumer. Donc, il Bien sûr. y a un minimum. Donc, voilà. Donc, je pensais profiter justement des portes ouvertes pour avoir une idée des aides, du soutien plutôt que des aides, d'ailleurs, enfin, ou aussi des aides que je pourrais avoir pour mon projet. Mais je te Et ça remercie. peut être une très Bien. bonne, effectivement, un très bon début pour des relations. Et mon but est de devenir organisateur naturellement. Eh ben, on l'espère. Merci. Jacques, est-ce que tu arrives à remettre ton micro? Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? On t'entend. Ah, d'accord, ok. Bon. Donc moi, j'avais souhaité faire une rencontre d'abord entre membres actifs et quelques adhérents de proximité Ouais. pour me donner un coup de main, donc pour une porte ouverte que j'avais programmée, mais c'est un petit peu donc une semaine après les vôtres. Et entre-temps, effectivement, il y a une scie circulaire qui est Ouais. passée par là, donc il y a eu une opération de la main. Donc c'est pour ça que je sollicite un ou deux membres actifs pour m'accompagner, mais je n'ai pas envie d'annuler effectivement les événements, quoi. Et ben ça, on va le relayer dans le groupe des membres actifs. Je pense que ce sera plus simple et plus efficace parce que dans le 49, en plus, on a du monde. Ben, il y a du monde, j'ai contacté plusieurs membres actifs. Donc Ouais. il y en a un qui est rendu du côté de Concarneau. Donc Émile lui a fait un petit coucou Ouais. parce qu'effectivement, c'est des voisins. Il y en a un autre qui a quitté l'association Twiza, il y en a une autre qui a quitté aussi, puis il y en a un autre qui a déménagé. Donc Oui, en fait, après, pour les non, membres on va actifs, relayer.
On va relayer effectivement, et ce serait chouette côté des soutiens, parce que ce que je veux dire, c'est que en fait, dans le 49, je sais qu'on a pas mal de tweezers, on a pas mal de chantiers aussi, donc ce serait vraiment super d'avoir une rencontre dans ce coin, quoi. Mais écoute, Jacques, je sais, bon, on va relayer l'info en interne, et puis on va essayer d'accélérer ça. Voilà, il y a une association aussi qui est basée sur l'énergie, c'est l'association Alizé, Ouais. qui serait OK éventuellement aussi pour venir le jour de la porte ouverte. Et j'ai aussi un pro qui est un vendeur de matériaux éco, qui fait toute la région et Génial. qui est aussi intermittent. Donc ça peut être intéressant pour les tweezers de le rencontrer, quoi. Bah ça, c'est exactement le genre de rencontre, effectivement, qu'on veut encourager, quoi. Ouais. Bah, c'est super, franchement. Non, mais on va se débrouiller pour organiser ça et pour t'apporter le soutien dont tu as besoin pour rendre l'événement possible. C'était pas prévu là, si circulaire, mais bon, Trouver c'est possible. un bras droit, si j'ose dire. Alors c'est pour ça que remplir les documents administratifs en ce moment, je suis un peu dans Ouais. la. Bah, en fait, fais-nous la proposition. Moi, de toute façon, le poste, je l'ai vu sur le forum. On va relayer le truc, donc t'inquiète. Ça va se faire. M'inquiète pas, je m'inquiète pas. Tuzia, c'est une grande famille. Merci. Merci à toi, Jacques. Salut. Marine, je t'en prie. Oui, c'est pour moi? Ouais, vas-y, je t'en prie. Bonjour. Bonjour tout le monde. D'abord, je découvre Twiza. Ah bah, oui, pardon, il y a eu une petite confusion. Oui, bah, bien sûr, d'accord. Tu t'appelles aussi Marine Kouédic, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et ben, Marine, si ça te dérange pas, tu prends la parole juste après. Ok. Pas de souci. Je t'en prie, Marine. D'accord. Vas-y, continue. OK. C'est pour qui alors? Vas-y, à toi, à toi, à toi. D'accord. Je découvre Twiza car je suis à la recherche d'un chantier participatif pour apprendre dans un premier temps, avant de lancer le mien pour faire une cabane en terre paille. C'est une petite cabane de 20 mètres carrés. Et la première question, c'est est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça avant l'automne, d'apprendre et de le faire? Est-ce que d'après toi, d'après... Comme tu... Oui, alors après, c'est vrai que alors c'est pas directement l'objet du chantier participatif, mais vu qu'il y a une question aussi dans le chat que je vois là-dessus. Alors, juste pour te répondre, oui, ça me paraît faisable. Il faut que tu te lances dans les chantiers, à mon avis, en tant que participante, dans les semaines qui viennent. Peut-être que les portes ouvertes peuvent être l'occasion, justement, d'en voir quelques-uns pour te faire une meilleure idée de ce que ça pourrait représenter. Et après, D'accord. sur la diffusion d'une annonce, l'organisation d'un chantier, je ne sais pas exactement où tu en es, donc c'est difficile pour moi de te répondre comme ça, mais en Ouais. gros, on recommande de faire une publication 1 à 2 mois à l'avance pour être confort, pour commencer à communiquer localement au chantier. Et juste, D'accord. je profite Sinon. de... Ouais, vas-y. Attends, je profite de cette réponse juste pour répondre aussi à Cyril, qui dit la porte ouverte est une première étape vers un chantier participatif. Non, pas forcément. Oui, ça peut, d'une certaine manière. Ça peut effectivement vous permettre de rencontrer aussi les tweezers, de vous inspirer pour proposer votre chantier. Mais il me semble que Cyril, tu es en chantier déjà, donc ça peut être aussi une manière de redonner de la visibilité à ton chantier en invitant des personnes qui ont besoin de voir un exemple concret de comment c'est l'organisation, de comment c'est l'accueil, de qui sont ces hôtes avec lesquels ils vont vivre et apprendre. Voilà. Et du coup, dernière question, Marine. Par contre, tu veux sur les portes ouvertes? Ouais. Donc moi, je n'aurai que les week-ends à proposer malheureusement pour participer au chantier. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Oui, tu peux, tu verras sur les différentes annonces, des organisateurs proposent des chantiers le week-end et des chantiers en semaine aussi. Super. Bah, merci beaucoup. L'autre Marine? Alors, moi, je voulais poser une question purement, enfin, un partage d'expérience aussi sur les autres.
Voilà, parce que enfin, personnellement, je suis maman, j'ai des enfants en bas âge, et je sais que parfois je m'auto-censure parce que j'ai pas envie de débarquer avec les enfants qui courent partout et qui, avoir des adultes qui discutent entre eux, ça ne les passionne pas. Et du coup, je cherchais comment intégrer les enfants dans des portes ouvertes pour que les parents puissent venir librement avec eux et tout ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des idées d'animation autour des enfants ou des propositions qui pourraient pour intégrer les enfants pour qu'on puisse discuter et puis pour qu'eux, ils se sentent intégrés dans la porte ouverte? Ben, merci pour cette suggestion d'échange. Effectivement, je crois que c'est suggéré pas mal de réactions, donc c'est cool. On va se faire un petit tour de parole avant de prendre les autres questions. Moi, je peux juste faire un rapide retour d'expérience. On avait fait une porte ouverte à côté de Nantes qui était avec pas mal d'enfants. Et on avait fait, alors tout le monde ne peut pas faire ça, évidemment, mais on avait fait un atelier construction de poulailler en torchis avec initiation à la terre, à la paille, qui était vraiment super. Donc là, c'est vrai que c'était un peu d'organisation, mais en tout cas, c'était vraiment sympa pour une après-midi pour les gamins de vivre ça, puis pour les gamins et pour les parents d'ailleurs, c'était une bonne activité familiale. Puis on avait bien dit en amont aux gens de prendre des vêtements qui pouvaient salir, de s'équiper un minimum. Et du coup, c'était un vrai moment sympa. Mais je pense que vous avez peut-être d'autres suggestions. Typiquement, je pense que, tu vois, Marine, sur le forum des organisateurs de chantier, ça peut être un très bon sujet que tu peux ouvrir. Parce que j'ai plus toutes les portes ouvertes en tête, mais je sais que, on est un réseau très familial, tant du côté organisateur que participant. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des bonnes pratiques. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent déjà ré réagir à cette suggestion? Ouais, Jean-Luc, je vois que tu as Je vais levé la la main. faire très court parce qu'après je dois partir, mais nous en fait on a mis une petite annonce pour trouver un compteur tout simplement. On n'a pas trouvé, par contre on a trouvé quelqu'un qui va faire une animation avec des jeux en bois. Et voilà, ça permet que le terrain, comme il est bien clôturé et fermé chez nous, c'est sécure et au moins les parents sont tranquilles de l'autre côté. Voilà. Chouette. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ouais, peut-être. Hein. Ouais, vas-y. Peut-être, vu qu'on contacte les familles, enfin, on contacte les gens qui vont venir, pourquoi pas leur demander si, ben, s'ils ont des enfants en bas âge, des ados, et puis trouver une forme de contrepartie, vous restez manger le soir, par exemple. Et puis en contrepartie, ben, vous avez une ado qui va s'occuper des petits si elle a l'habitude, ou enfin essayer de trouver parmi ceux qui viennent et qui ont l'air de contact plutôt sympa, en tout cas, peut-être leur proposer un deal un peu comme ça, si le lieu s'y prête, bien sûr. Ouais, et puis de toute manière, après à vous pour accepter ou pour en fait à communiquer avec soit l'organisateur de la porte ouverte, soit voilà aussi vous dire bah voilà, moi j'ai quelques enfants, est-ce qu'on peut imaginer des choses, est-ce qu'ils auront des espaces pour s'occuper? On a pas mal de familles quand même parmi les organisateurs, donc qui ont souvent aussi des enfants et qui savent aussi les occuper sur ces moments-là, quoi. Juste, merci pour ceux qui nous quittent. Merci pour ceux qui nous quittent, parce que voilà, on va arriver au bout de l'heure. Mais moi, je reste. Donc voilà, pour toutes vos questions. Vincent. Oui, donc on parlait d'assurer la promotion de Twiza. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a à disposition des PDF tout prêts qu'on pourrait imprimer ou est-ce que tu aurais quelques PPS qu'on pourrait faire tourner sur. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai une tablette, pourquoi pas laisser tourner le PPS Ouais, bah. Enfin, voilà, est-ce que tu aurais du support tout prêt à partager qui nous éviterait des grands moments de solitude? Mais carrément, Vincent. Donc vous le verrez en fait, c'est ce qu'on a appelé donc le kit porte ouverte. Dans le kit porte ouverte, on a mis un certain nombre d'éléments et notamment un PowerPoint de présentation de Twiza. C'est la présentation qu'on fait une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, pour toutes les personnes qui découvrent le réseau. Donc il y a un peu les grands chiffres, ce qu'on fait, les différents métiers qu'on accueille. Et puis ça peut aussi se faire en mode un peu discussion, quoi.
Moi, j'ai, enfin voilà, vous connaissez tous Twiza plus ou moins bien ce soir. Vous pouvez aussi parler de votre expérience en tant que professionnel pour les professionnels, en tant qu'organisateur pour les organisateurs, etc. Donc l'idée, c'est aussi voilà, d'étoffer ce document avec vous, votre expérience, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé pour vous. Pour les organisateurs, a priori, vous avez été accueillis par des bénévoles. Voilà, il y a Nathalie qui dit il est bien complet. Bon, bah, merci. C'est vrai que voilà, ça vous donne quelques éléments tout de même pour voilà, pas vous laisser face aux personnes qui viennent Ouais. vous. Si tu veux, Théo, le truc, c'est que moi, je vais être solo. Ouais. Si j'en ai 10-12 qui débarquent à 20 minutes d'intervalle, je vais pas recommencer incessamment le truc. Il faut que Non, je non. puisse potentiellement les occuper le temps de les raccrocher au wagon suivant. Enfin, c'est plutôt dans cet objectif-là, quoi. Après, n'hésite pas à être assez exigeant entre guillemets sur les horaires aussi, tu vois. Ouais. Bien d'arriver bien à l'heure. C'est Ça, ça. si tu fais Les une visite, si tu demi-groupes, fais un truc. les demi-groupes, ça, j'ai trouvé l'idée extra, j'y avais pas pensé, c'est bien Ouais, protégé. aussi et en fait tu vois même pareil un hein, retour d'expérience mais voilà bon ça arrive tout le temps d'avoir des retardataires mais quand même c'est bien d'être assez exigeant là-dessus surtout si vous les avez au téléphone et puis en fait tu verras les gens peuvent rattraper en cours de route et après sincèrement pour rassurer les plus timides les tweezers ils ont beaucoup de choses à raconter souvent ils sont pleins de ressources ils sont super riches de discussions donc vous n'allez pas vous retrouver entre quatre yeux à pas savoir quoi vous dire ça je peux quasiment vous le garantir à 100% Ok. Ariane, Milfort, Geneviève, oula plein de questions Ariane je t'en prie si tu Oui, peux. voilà. Oula. C'est fort. Mais il y a deux trucs ouverts. Oula, tu nous parles de Je sais pas. Hein. des effets très très étranges sur ton micro. T'as pas un Est-ce que micro je... plus simple? Voilà. Ah, je suis désolé, on peut essayer de prendre ta question, mais. Ah, je suis désolé, on t'entend vraiment mal, Ariane. Est-ce que tu peux poser ta question par le chat éventuellement? D'accord. C'est parce qu'il y a deux, il y a deux images. Ah, je suis désolé, Ariane. Tu peux poser la question dans le chat, parce que ça va vraiment pas être agréable, surtout pour. Je plains ceux qui ont des casques là. Milfort, je te laisse la parole. Et j'ai vu ta question, Ellie, aussi. Je prendrai après. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour, en fait, j'ai découvert Twiza l'année dernière. Donc, en fait, je retape une maison en Normandie. Et j'aurais aimé avoir un peu d'aide aussi pour faire une rénovation écologique, tout simplement, hein, pour mettre des matériaux ou les choix. Surtout, c'est une maison en pierre, donc qui permettra d'avoir une rénovation saine, on va dire. Et je ne connaissais pas Twiza avant. J'ai recherché donc juste pour connaître un petit peu le réseau et avoir un peu d'aide. L'année dernière, c'était fin de l'année dernière d'ailleurs, j'ai participé à deux événements. Il y avait une porte ouverte et quelqu'un que j'ai été donné un coup de main aussi à Vire, à une autre liseuse. Ça s'était bien passé, sympa. Et j'aimerais bien organiser une porte ouverte aussi, faire découvrir mon chantier et m'intégrer voilà, pour faire connaître le réseau et aussi faire connaître mon chantier. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Eh ben, écoute, bah, je t'invite à faire effectivement une proposition. On est content d'accueillir en plus des portes ouvertes dans ton coin. C'est pas là où on en a aujourd'hui le plus, donc je pense que ça peut être vraiment chouette comme proposition.
Du coup, ta question, elle portait plus sur quoi? Sur l'organisation, sur comment la... Oui, effectivement, comme je suis nouvelle, alors je ne sais pas sur l'organisation. Alors les dates, j'ai entendu, j'avais demandé dans le chat un petit peu de Ouais. précision. Donc c'est du Donc 8 au 17 mars pour c'est tout le monde. du 8 au 17 mars. Exactement. Donc Donc c'est il faudrait vendredi. organiser l'événement entre cette date-là ou Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être en soirée, dans la journée, le week-end, voilà, la semaine. L'idée, en fait, c'est simplement bah, de proposer ton lieu comme lieu de visite. En termes d'organisation, on ne demande pas de préparer énormément de choses, sincèrement, même assez peu de choses. Enfin, c'est un peu à votre guise. Ça peut vraiment, nous, on encourage vraiment ça, mais que voilà, que un peu en mode bonne franquette, auberge espagnole. Chacun peut ramener un petit quelque chose à partager. C'est quand même sympa d'avoir un pot ou d'avoir un verre, un goûter ou autre pour voilà, servir de base d'échange. Et puis voilà, peut-être réfléchir à ton animation. Alors voilà, c'est pas indispensable à chaque fois. Ça peut être une visite de ton chantier là où ça en est. Pourquoi pas proposer une discussion sur bah, les sujets qui te préoccupent, si tu as des sujets en tête, si tu es intéressé par tel ou tel thème en particulier. L'idée, c'est en fait de voilà, faire un peu un événement assez simple finalement qui te ressemble. Et une fois que tu as proposé ça, donc d'ici dimanche, et ben tu pourras commencer à le diffuser, en parler autour de toi. Et donc voilà, les gens pourront commencer à Ah, s'inscrire. oui, justement, c'était la prochaine question. Donc, en fait, c'est dimanche qu'il faut envoyer c'est la date limite pour l'inscription, C'est la si on date veut limite proposer. pour l'inscription officielle. Effectivement, nous, on aimerait bien recevoir l'ensemble de vos propositions à partir de, enfin, jusqu'à dimanche, tout simplement parce que par la suite, on commence en fait à lancer les inscriptions des visiteurs. Voilà, donc en fait, on laisse vraiment un temps pour les visiteurs pour découvrir vos portes ouvertes, pour repérer un peu celles qui sont sur leur territoire. Et donc, on va commencer à communiquer vraiment nationalement et globalement pour voilà, promouvoir l'ensemble de vos événements. D'accord. Juste une dernière chose. Donc, comme l'autre tweezer tout à l'heure, c'est vrai que j'avais posté mon chantier l'année dernière, mais bon, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de retour. Donc, peut-être que j'étais pas assez active, c'est vrai, parce que j'avais un travail assez prenant. Comment dire, j'ai été sur les deux événements avec d'autres membres. L'idée c'est de savoir est-ce que effectivement dans la région je peux être accompagnée parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les deux événements que j'ai participé. Donc est-ce que pour toi est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de membres, est-ce que ça a augmenté d'ici depuis le moment ou pas? Et ben, Ah, si j'ai bien exprimé, je me suis bien exprimée. ouais, mais c'est difficile en fait pour moi de te répondre avec précision. Nous, ce qu'on constate en fait, c'est l'élément que je peux t'apporter, c'est qu'en fait, sur l'ensemble du territoire, il y a des gens qui s'intéressent à l'éco-construction, il y a des gens qui éco-construisent, il y a des gens qui ont des projets. Simplement, il y a des territoires sur lesquels ils se mettent plus ou moins en relation, quoi. Il y a des territoires sur lesquels, en fait, l'habitat écologique est développé depuis un moment, les gens se connaissent et ça a suscité un peu des vocations. Il y a des territoires où c'est encore moins évident. Mais ça ne veut pas dire que ces territoires sont plus dépourvus de tweezers ou de gens qui s'intéressent à ces projets. En fait, on voit voilà, des départements devenir de plus en plus actifs, émerger sur les cartes. Et sincèrement, c'est vraiment à travers bah, ces événements en fait, qu'on organise les portes ouvertes, plusieurs rencontres dans l'année, qu'en fait, bah, la bonne parole se diffuse, que les gens se connaissent, que les vocations naissent. Donc voilà, ce que je peux te répondre. Après, il me semble que dans ton département, justement, on a aussi des membres actifs qui nous ont rejoints pour bah, voilà, se mettre en relation, commencer à échanger les uns les autres et voir co-organiser des portes ouvertes, organiser des tournées de portes ouvertes. Enfin, voilà. Donc je t'invite vraiment à faire une proposition. Nous, on a des outils aussi pour la mettre en avant. L'idée, c'est que voilà. En fait,
Tout commence avec ta proposition. Ok, d'accord. Donc, si je propose quelque chose, je pourrais bénéficier du soutien et et justement pour la publicité, parce que pareil, je ne sais pas faire. Donc, c'est pour savoir est-ce que je serais aidée sur ce coup-là. J'ai écouté tes réponses, hein, mais voilà, je me dis est-ce que par ici aussi, ça va marcher? Après, nous, de manière générale, on invite les organisateurs de chantiers et de portes ouvertes à pas mal nous solliciter aussi pour justement qu'on remédie avec les outils qu'on peut avoir pour bah, voilà, toute situation où en fait on est déçu par le nombre de participants, par la visibilité du projet. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous tirer sur la manche. Là, il va se passer quand même un long mois entre le moment où vous proposez une rencontre et le moment où on organise les visites. Donc il s'en passe des choses en un mois. C'est n'a jamais été aussi large pour communiquer sur vos Effectivement. événements. Donc voilà. Ma vraie recommandation, en fait, ce serait surtout de proposer votre porte ouverte à temps, c'est-à-dire le plus D'accord. tôt possible, pour qu'on puisse vraiment commencer à créer voilà, du buzz autour de votre événement et favoriser ces rencontres. D'accord. Parfait. C'est bon pour moi. Merci à toi. Geneviève, Merci. j'ai vu des mains qui se sont baissées aussi, alors peut-être que j'ai répondu aux questions. Oui, bonsoir. Bonsoir Théo, Ouais, bravo pour ton enthousiasme. Et merci pour cette organisation. Alors, moi, je suis ancienne sur Twiza en tant que participante à des chantiers. J'étais sur la Gironde. J'ai rejoint un collectif, l'Oasis du Coq à l'âme en Charente. On a installé depuis fin 2021. Et d'ailleurs, j'ai pris enfin, je suis sociétaire, mais pas membre actif pour le moment. Parce qu'on a une telle masse de choses à faire que voilà, on a un travail gigantesque sur un domaine de 26 hectares avec 6 000 mètres carrés de bâti. On a déjà démarré des chantiers qui sont aboutis. Et donc là, bah, ça va être une première pour nous de participer. On va prendre une adhésion au réseau et on va en tant qu'Oasis et plus en tant que Geneviève. Voilà. Et donc ma question. Quand vous organisez comme ça ces portes ouvertes, est-ce qu'il faut prévoir entre chaque, enfin, pour chaque groupe un temps important? Est-ce que voilà, ça se mesure comment ce temps pour qu'on puisse justement accueillir le mieux possible les personnes qu'on va accueillir, est-ce que c'est 1 heure de visite, est-ce que c'est 2 heures, est-ce que c'est 3 heures, comment ça se passe habituellement pour ça? Franchement, c'est très variable. C'est très variable. Je D'accord. pense que c'est bien de se prendre 1 heure quand même minimum pour échanger. Je trouve que 2 heures, ça me paraît raisonnable. Mais moi, pour le coup, j'en ai fait à des assez différentes. Par exemple, on avait visité un éco-hameau en Loire-Atlantique. L'idée, c'est que voilà, il y avait une famille qui était vraiment dans la porte ouverte de l'éco-hameau. Les autres personnes de l'éco-hameau voilà, étaient moins dans la porte ouverte, on va dire. Enfin, ils avaient leur vie, quoi, aussi, ce qui est normal. Et donc, du coup, c'était sur un format semaine pour voilà, qu'ils aient le week-end. Et c'était, ouais, allez, je dirais, une demi-heure, trois quarts d'heure de visite. Et puis après, on est resté une petite heure à faire un micro-apéro. Donc, tu vois, en 2 heures, en fait, tout le monde était chez soi. C'était en fin de journée. C'était aussi très sympathique, quoi. Ouais, Sauf que pour un vrai temps d'accueil, en fait, il n'y a pas non plus de limite. Tu vois, j'ai fait une autre porte ouverte la même semaine où ça s'est terminé par un feu de joie, donc à 3 heures du matin. Ça OK. existe aussi. D'accord. Par ailleurs, je voulais savoir si à cette occasion-là, on pourrait avoir un membre actif du réseau pour faire connaissance vraiment avec le réseau, parce que ce serait l'occasion pour les habitants, parce qu'on est une vingtaine de foyers sur le collectif, de faire connaître le réseau. Voilà, et par l'intermédiaire d'un membre actif proche de chez nous. Moi, j'ai envie de te dire là-dessus, effectivement, donc moi je peux relayer la demande auprès de nos membres actifs
Après, c'est comme nos membres actifs, ils sont libres aussi. On les missionne pas. C'est du bénévolat. Donc, effectivement, ils peuvent se positionner sur ta rencontre. Moi, je trouve ça très heureux qu'effectivement, il y ait quelqu'un qui se rende dispo. Après, ça, tu as de la chance. On est dans un coin où on a quand même du monde. C'est Donc, vrai? voilà, c'est très possible. Après, je peux pas te le garantir. Tu vois. Je peux pas te le garantir. Moi, je peux juste te dire, bah, je peux relayer. Et puis voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de membres actifs qui. Bon voilà, ils nous connaissent bien, il y en a plusieurs ici ce soir d'ailleurs, mais qui vont proposer des portes ouvertes, qui vont y participer. Donc voilà. Et il est possible d'ailleurs que vous ayez des membres actifs qui ne se soient pas manifestés en amont, c'est déjà arrivé sur des portes ouvertes, et qui peuvent dire, bon bah en fait, bah t'es là, c'est cool, bah si tu veux présenter le réseau, nous, il faut savoir que les membres actifs, on les forme entre guillemets pour présenter le réseau de Twiza, on leur donne un peu les éléments. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider aussi au moment de la prise de parole. Pour présenter Twiza, parce qu'ils ont aussi ce bagage supplémentaire. Voilà, Donc, c'est ça. Et c'est pour se mettre en jambes, en fait, pour l'avenir, ce serait chouette. Oui, Mais d'accord. effectivement, moi, je peux relayer auprès de notre groupe. Je vais le faire d'ailleurs. Enfin, en mesure, là, je reçois des demandes, donc je vais le faire. Et puis, D'accord. je pense qu'il y en a plusieurs qui sont très, très enclins à se positionner sur vos visites. Voilà, j'ai créé l'événement. Hein. Nous, ce Bien. sera un samedi après-midi. J'ai créé l'événement et ben, j'attends que tu puisses nous donner la main pour corriger parce qu'on a récolté des photos supplémentaires des chantiers déjà Bah, n'hésitez pas à réalisés. me les envoyer. D'ailleurs, dès ce soir, si vous devez partir, parce que je vois que ça s'anime un peu dans le chat, si vous voulez continuer la discussion, alors déjà, il y a le forum. Je pense que vous êtes dessus, normalement, si vous êtes là ce soir. Peut-être pas tous, d'ailleurs. Donc, le forum, c'est vraiment bien. Il y a toutes les questions qui sont bienvenues. Celle de Marine, par exemple, mais toutes les autres. Hein. N'hésitez pas à utiliser cet espace pour que voilà, vous puissiez vous répondre les uns les autres. Et il y a toujours l'adresse contact@twiza.org. Celle avec laquelle on échange. Hein. Vous pouvez nous poser vos questions et nous, on répond. Ben, Merci beaucoup. Ellie, merci à toi, Geneviève. Rebonsoir. Ben, je vais Pardon. apporter une réponse à l'intervenante précédente parce qu'il faut prévoir du temps pour recevoir les uns et les groupes. Donc, je pense que j'avais dû réserver à partir d'une certaine heure et puis tout le reste de l'après-midi pour pouvoir discuter. Alors, à ce moment-là, aussi, on a eu la chance d'avoir du beau temps, ce qui permettait de s'asseoir en terrasse et puis de pouvoir continuer la discussion au-delà de la visite. Donc ça, c'est quand même important. Et justement, c'était une remarque que j'avais à faire, puisque l'année dernière, il me semble que les portes ouvertes étaient plus tardives. Je ne suis pas certain de la date exactement, mais en tout cas, moi, j'avais eu du beau temps. Attention, au mois de mars, il peut pleuvoir, il peut y avoir des conditions un peu défavorables. Donc voilà, ça peut être un point qui va écourter les visites aussi et la présence des visiteurs. Mais en tout cas, moi, j'avais prévu au moins 3 heures pour pouvoir être tranquille et puis de manière détendue, quoi. Voilà, j'avais pas de pression non plus et c'était quand même confortable. Voilà, donc attention à la météo aussi. Merci Ben. Effectivement, je confirme ce que tu dis, c'était Bonsoir. en mai l'année dernière. Les années précédentes, c'était plutôt en mai. C'est vrai que cette année, on les a voulu plus tôt parce que, en fait, en mai, c'est presque trop tard pour des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent construire. En fait, là, on s'est dit le printemps, c'est chouette parce que voilà, c'est la phase de gestation de l'hiver est passée. Pour certains, ça peut vraiment être la période de déclic. Et du coup, ça leur laisse le temps bah, de proposer un chantier, d'avancer sur leur projet. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu ça. Effectivement, il y a la problématique météo, mais ça, pour le coup, on verra. Ouais, Tim. Bonsoir. Non, Nadia, je vais laisser la parole à Tim. Après, on pourrait donner la OK, parole. merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis Tim, je suis dans le 95 et je voudrais faire un rendez-vous pour former un réseau de professionnels qui travaillent dans l'éco-rénovation. Parce que moi, je suis physicien, je ne suis pas du bâtiment et j'ai déroulé un système de rénovation pour décarboniser les bâtiments et je voudrais former un peu un réseau. Et c'est pour ça, je voudrais demander, est-ce qu'il y a un jour dans la semaine qui est plutôt favorable, c'est le vendredi ou le samedi ou dimanche? Est-ce que vous avez un recours pour ça? Parce que je pourrais faire le rendez-vous n'importe quel jour, en fait. Euh,
C'est difficile pour moi de te répondre. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt le format de la rencontre que tu proposes qui va justifier un jour plutôt qu'un autre. En fait, c'est un truc un peu bête, hein, mais c'est vrai que le week-end, il y a plus d'événements. Donc, il y a aussi plus de concurrence donc, du coup, il y en a pas mal d'événements en semaine. Ça dépend. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Je ne sais pas quelle est la proximité, tu vois, d'espace urbain ou d'espace où il y a potentiellement plus de monde, les temps de trajet pour se rendre chez toi. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui peuvent justifier une porte ouverte en semaine ou en week-end. Et après, par contre, juste pour te répondre sur le côté professionnel, on a vu ça. C'est un des exemples que j'ai donné tout à l'heure. Effectivement, on peut donner une tonalité professionnelle en fait à ces rencontres. Après, il faut quand même avoir en tête que, a priori, les portes ouvertes, bon, bah, c'est grand public. Mais bon, c'est vrai qu'on peut mettre une précision dans l'annonce. Effectivement, ce moment-là est plutôt pour les pros. Et d'ailleurs, on l'a fait des fois sur des choses un peu hybrides, de type. Il me semble que Jean-Luc, tu avais fait quelque chose, enfin voilà, de type, bah voilà, pendant 2 heures, là, on va se retrouver plutôt entre pros, mais si vous voulez venir après, ben, en fait, c'est grand public, et donc on peut imaginer des choses un peu de ce type-là, quoi. Non, mais ce n'est pas un problème, Sylvie, hein, des particuliers, pas de Ouais. problème du tout. Non, je suis dans le 95, le Vexin, Ouais. ouais, Versoise. Bon, il n'y a pas beaucoup de réseaux ici. Sur Twizza, je n'ai pas vu beaucoup de projets dans ma région. Hein. C'est plutôt pour savoir si les gens peuvent peut-être venir plus tôt le week-end, s'ils veulent se déplacer, ou dans la semaine, mais bon. Alors, je vais décider. Effectivement, tu vois, après, je sais pas à quelle distance tu es de Paris, par exemple, dans le Val d'Oise. Mais alors C'est voilà, une. nous c'est vrai qu'on n'oblige pas. Voilà, l'idée c'est qu'une porte ouverte, c'est pas un chantier participatif, donc il n'y a pas de solution d'hébergement. D'ailleurs, il n'y a pas je tenais à dire ça quand même, il n'y a pas d'assurance. Enfin, l'idée c'est que même si vous faites des ateliers, c'est des ateliers assez bénins. Hein. Enfin, on ne va pas demander de faire des charpentes, c'est pas du tout l'état d'esprit, c'est pas du tout la démarche qualité de nous ce qu'on met en place. Je sais, j'ai vu dans les portes ouvertes que j'ai proposées, enfin que j'ai modérées déjà. Des gens qui ont proposé des solutions d'hébergement pour ceux qui venaient de loin, des fois qui ont simplement indiqué bah, il y a une place pour garer un camion, des choses comme ça. C'est possible, on ne le réclame pas de vous du tout, mais par exemple, si ça te permet, enfin si ça te paraît plus simple pour organiser, c'est possible, Tim. Juste pour le temps de parole, donc Ellie, Ariane, si on y arrive. Avant de te donner la parole, Vincent, il y a aussi Charles qui m'a écrit dans le chat. Ah mince, donc Ellie, alors attends, t'as pas de micro. Alors, dessinateur et conseiller, j'aimerais présenter mon activité, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il serait possible de faire un apéro café dans un bar pour discuter de mon activité? Ouais. Question bête, mais dois-je avoir une représentation de mon travail ou est-ce possible d'être sur un format plus convivial? Et ben déjà pour te répondre, un apéro café dans un bar, c'est carrément possible. On en a eu quelques-uns l'année dernière et l'année précédente d'ailleurs, d'artisans, d'architectes. Je sais qu'il y a eu des ateliers je me rappelle de ça. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, je crois, carrément une archi qui disait, bah venez avec vos plans. On discute voilà de la phase conception donc voilà venez avec vos plans si vous avez des questions bah, peut-être qu'on peut échanger ça peut être une manière de concevoir l'échange et après sur présenter ton travail bah, effectivement si tu as des choses à montrer si tu as des outils de modélisation je connais pas le détail de ton métier mais ça peut être sympa d'avoir effectivement des produits de démonstration. Et après, le format plus convivial, le fait d'avoir un vrai temps d'échange, ça peut être. Ouais. Ah, d'accord, pas trop, justement. Ok. Bon, je réponds au chat, alors c'est un peu bizarre pour les autres, mais. Non, mais voilà, j'avais trouvé ça pas mal, l'idée de conception participative, même si, bon, après, voilà, faut dire ce qui est. Enfin, l'idée, c'est une initiation, c'est pas du travail à l'œil. C'est plus pour sensibiliser à ce que vous faites que autre chose. Donc voilà, ça peut être inspirant. Vous verrez sur le forum et sur le site, j'ai mis aussi des exemples de portes ouvertes de l'année dernière.
Je vous invite vraiment à aller voir ça. Il y a des choses qui peuvent peut-être vous débloquer. Ouais, du conseil par exemple, c'est très bien. Du coup, Ariane, si on y arrive, Oui. Charles et Vincent. Bonjour. Ouais, C'est bon. c'est mieux. Alors, là, vous m'entendez bien. Alors, l'histoire, c'est que j'ai un projet en Corrèze. J'habite pas sur place pour l'instant, mais j'ai, disons, deux très beaux bâtiments en bord du Doustre. J'ai un vieux moulin et une vieille grange. Et en gros, il y a cinq bâtiments dont j'habite dans un des bâtiments. Et les autres sont complexes. Bien sûr, je n'ai absolument pas les moyens de tout rénover. Et je voulais avoir des idées. Donc, en fait, l'idée de faire une porte ouverte, pour moi, c'était de montrer le lieu. Et Ouais. qu'on m'aide à trouver des idées voilà, je ne veux pas laisser tomber des bâtiments extraordinaires qui sont presque de l'ordre historique, quoi. Et voilà, c'est ça mon. J'aimerais bien savoir le nombre de projets qui a évolué suite aux portes ouvertes. Je peux Oui, avoir, j'imagine. c'est les gens du réseau Twiza aussi, tu vois. C'est ah, ben en fait, moi j'ai fait ça à tel endroit, j'ai fait tel. Enfin, tu vois, je pense que ça peut Ouais. vraiment. C'est pas ce que tu peux attendre des participants. Je pense que déjà ils seront heureux de découvrir ton lieu si voilà, c'est tel que tu le décris. Ça a l'air C'est un très beau lieu. C'est un très, très très beau sympa, lieu. quoi. Donc, Ouais. déjà, rien que pour l'aspect rencontre. Je pense que ça peut être intéressant. Et effectivement, tu vois, tout à l'heure, il y avait deux témoignages de Ouais. personnes qui étaient vraiment en phase chantier. Ouais. On a des personnes qui sont aussi vraiment en amont de leur projet. Donc, voilà, simplement le dire dans l'annonce, Oui, le dire dans la d'accord. description de ton annonce. Et puis, les gens, ils se positionnent par rapport à ça. Ils savent où ils vont. Voilà pour ça. J'imagine en Corrèze, il y a pas mal entre le Lot et la Corrèze, puisque je suis près d'Argentat. Ouais. Donc, il y a pas mal de monde sur Twizza, Ouais, il me semble. on a pas mal, on a de plus en plus de chantiers, on a pas mal de monde effectivement, Ouais. Moi, dans. j'ai lu, en fait, c'est par curiosité au départ, tu vois, et je suis arrivée chez vous il y a 6 mois. À force de chercher sur le net, et j'étais ravie, quoi, parce que je sentais bien le potentiel d'échange, parce qu'en fait, c'est ça au départ. On a besoin, mon mari et moi, de qu'on se situe dans cette énormité, Ouais, bien sûr. Non, mais de. franchement, je trouve que tu as la bonne approche, hein. Commencer par prendre du conseil, faire des rencontres, à mon avis, ça te rendra les choses bien plus accessibles. Ouais. Et voir l'année prochaine à présenter un autre projet qui sera, j'en sais rien quoi, mais Ouais. voilà. En fait, là, c'est le tout début pour nous, et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de proposer. Moi, bon, je suis ancienne caviste, donc j'aurais de quoi offrir un verre à vous. Moi, je suis ravi de voir ta proposition, Ryan, avec D'accord, plaisir. je l'envoie. Alors, c'est marqué Chéri Pensauvage, je ne sais pas d'où il vient, c'est mon nom de cave, mais on est à la retraite, on a pu. Mais je veux bien Il a encore rester. quelques bouteilles, quoi. Oui, les bouteilles, il en reste. Donc, l'histoire, c'est. Je vais essayer de m'inscrire. Et les temps de porte ouverte, c'est de quelle époque à quelle. C'est du 8 au 17 mars. 17, d'accord. Yes. Ok, donc on peut choisir juste 2 jours ou ouais. Vous pouvez proposer jusqu'à 3 sessions. 3 sessions, Idéal. d'accord. Ok, merci. Les plus, c'est possible, mais 3 sessions, c'est déjà bien, je pense. Pour se Oui, je pense. lancer. Alors, il y a Charles, tu voulais prendre la parole? Tu m'as écrit dans le chat. Oui, c'est bon, on m'entend là? Oui. Enfin, ouais. Bonsoir, moi je suis en Haute-Garonne. J'ai démarré un écolieu, ça va faire bientôt 10 ans, avec
du matériau de récup de l'habitat léger pour faire un lieu de culturel, un lieu de rencontre culturelle. Donc à partir de l'an dernier, on a commencé donc des rencontres chaque premier dimanche du mois. Donc là, j'ai groupé, justement, j'avais proposé une rencontre le 3 mars. Du coup, j'ai groupé de faire le matin porte ouverte, puisque c'était une rencontre culturelle sur l'histoire du pays, l'histoire de l'Occitanie par rapport à l'histoire de France. Voilà, en faisant venir un intervenant. Voilà, donc, c'est comme ça, à chaque fois, un échange de savoir sur un thème. Et là, j'ai groupé donc le matin. Alors, pour montrer un peu l'avancée du chantier, bon, j'ai fait une sorte de carter en terre torchis, j'ai fait des cabanes en bois, j'ai fait une cabane en palette, etc. Voilà. Donc, il y a une salle de concert et salle d'atelier pour des activités artistiques et culturelles. Voilà le but Génial. du lieu. J'avais un petit souci pour mettre le. J'aurais voulu enchaîner le chantier à partir de notre première semaine de mars, justement, après la porte ouverte. Et puis, je n'ai pas réussi. Ils ne reconnaissaient pas mon morin. Alors, j'ai déjà signalé deux fois, mais je n'avais pas réussi. Ils ne reconnaissaient pas le nom du village. Donc, j'ai Oui, pas. ok, mais alors, ok, bah ça, je vais te répondre tout de suite après. C'est un problème lié à Google, pas à nous. Ça arrive à certaines personnes. En fait, il y a certains, juste pour te dire, c'est pas très intéressant, mais il y a des moteurs de recherche qui fonctionnent pas trop en ce moment. Ça lié à une mise à jour Google. Bref, enfin, je te réponds tout de suite. Je suis surpris qu'on t'ait pas répondu, Charles. Je vais voir où est passé ton mail parce que normalement, on est quand même assez réactif là-dessus. Oui, Donc, non, mais je te réponds tout de je suis suite. pas revenu depuis quelques jours, donc je ne sais pas si ça a été résolu, mais j'étais allé deux fois, c'était pas résolu. Après, là, je ne sais pas maintenant. Et bah, je regarde ça tout de suite et je t'envoie le mail dans la foulée là. D'accord. Voilà, voilà. Mais super, mais je sais pas si tu as fait déjà ta proposition, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ça peut faire l'objet d'une porte ouverte bien sympa. Donc, L'an dernier, j'en avais fait une, j'ai eu une personne seulement. Bon, voilà. ouais. Et moi, j'étais à une porte ouverte dans le secteur aussi, qu'il y avait eu. Hein. Et là, voilà, donc je retente le truc. Et parce qu'en Oui, même mais temps, pas. Après, voilà, cette année, encore une fois, on s'y prend plus à l'avance. On a une meilleure couverture médiatique, en théorie. Donc voilà, on va essayer d'avoir un maximum de monde pour chacune de vos portes ouvertes. nous, le principe, c'est ouvert espagnol. Donc, voilà, les gens, ils peuvent rester, manger ensemble et après assister à la conférence s'ils veulent rester. Et il y a pas mal de choses d'expérimentation au niveau construction. Et c'est que de l'autoconstruction, de l'éco-construction. Moi, je ne suis pas du métier, mais bon, j'expérimente des tas de façons de construire. Voilà. Donc, avec la récup. J'ai aussi expérimenté un poêle roquette pour chauffer la salle, pour chauffer un banc chauffant, quoi, sur 10 mètres, la banquette chauffante. Voilà. C'est pas très très efficace parce qu'il y a une grosse masse de terre dessus, donc c'est pas vraiment efficace. Il faudrait tenir beaucoup de bois. Mais bon, voilà. Là, je sais que c'est des sujets qui intéressent pas mal nos éco-constructeurs du réseau, tu vois. Tous les trucs dont tu parles, c'est des mots-clés qui résonnent en fait pour pas mal de gens qui ont eux-mêmes leurs projets, qui sont assez alignés, je pense, avec cette culture de l'expérimentation, du test, de l'innovation par les low-tech, etc. Donc. Donc, le carter, j'ai donc expérimenté une construction sans toiture, pas juste la terre couverte avec un enduit chaud. Voilà, alors, j'ai un petit souci parce que il y avait une fissure et du coup, avec le gel, ça m'a fait éclater un peu de crépi. Voilà, donc, je n'ai pas pris la précaution de remettre un crépi avant l'hiver et donc l'eau s'est infiltrée. Ça m'a fait avec le gel probablement, ça Des m'a gros fait. problématiques. Voilà, donc ça fait voir aussi les erreurs qu'on peut faire et donc qu'il faut corriger, quoi. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est les bons sujets de discussion que tu peux avoir. Et d'ailleurs, je vous mets tout de suite dans le chat là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur le site. Bon, je vais vérifier ça tout de suite après. Mais je vous ai bien mis le formulaire pour proposer votre porte ouverte. Là, on a encore une vingtaine. Donc voilà, essayez de l'ouvrir tout de suite. Comme ça, vous pouvez directement ouvrir le formulaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il avait été enregistré. Le mien, il avait été enregistré déjà, je crois. Hein. Je crois qu'il est. Ah, pardon? Le mien avait été enregistré, porte ouverte. Il était déjà enregistré. Oui, il est sur le site, mais là je le mets bien dans la discussion. Comme ça, vous pouvez directement après l'échange publier votre événement. Voilà, Et merci. vous lire bientôt. Et donc, Vincent, je te donne la parole. Et après, on fera un petit tour pour voir cette éventuelle dernière ouais. question. Ouais, donc ma question, en fait, j'ai voulu m'enregistrer. J'ai vu qu'on pouvait mettre des photos.
Première réflexion, il n'y a pas de mode brouillon sur ton foutu système d'enregistrement. Et ouais. Donc, quand je suis revenu pour remettre mes photos, j'ai dû tout, enfin, je vais devoir tout retaper. Donc là, j'étais un poil maudit, un dixième de seconde. Et puis, mais c'est passé. Non. C'est pas comme ça, tu n'as pas à me maudire. En fait, comment ça se passe, c'est que vous remplissez le formulaire une première fois. Nous, il passe en modération et on vous le renvoie pour relecture, en fait. Donc, en fait, c'est un brouillon, votre formulaire. Donc, ne le re-remplis pas. Nous, on te renvoie un mail derrière, on te fait les corrections. C'est toi qui nous dis par mail si tu as oublié des trucs. Et tu peux envoyer les photos. Ah, d'accord. Et donc, les photos, donc c'était ma question du chat, là. Tu conseilles plutôt combien de photos? Parce que j'en ai peut-être… enfin, j'en ai trop. Pas donc, plus de, moi, je trouve que 6, c'est vraiment… Enfin, pas plus de 6, quoi. Après, la majorité des chantiers, une ou deux, c'est déjà très bien. Ok, d'accord. Très bien. Juste, voilà, une belle qui présente bien la maison, qui présente bien d'accord. le projet, qui présente bien le lieu… c'est important et donc voilà non mais voilà après c'est toujours pareil hein. C'est comme pour les chantiers s'il y a des belles images bah ça fait envie les gens ils ont envie d'aller voir pour nous c'est plus simple à communiquer aussi donc c'est okay, assez important là c'est assez important la partie photo puis si vous en avez pas bon on peut trouver des choses je sais que par exemple sur des apéros, alors bon, c'est vrai que c'était un peu difficile à prendre en photo. Bon, on avait pris une photo libre de droit, on a fait du bricolage. Mais si vous avez des photos du lieu, c'est idéal. Ouais, si vous avez deux droits, c'est top. Et puis, d'accord, ok. 3-4 photos maxi, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça, on va se dire ça. Ça marche. Est-ce que je peux prendre des dernières questions? Nadia, tout à l'heure, tu as essayé de prendre la parole, je crois. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis producteur de spiruline au Maroc. J'aimerais bien organiser une porte ouverte et proposer mon chantier au Maroc, dans la région de Marrakech où il y avait le séisme en septembre dernier. Nous avons une maison à rénover. Elle est bâtie toute en terre. Eh ben Nadia, moi j'ai bien envie de te dire, on peut tenter de publier la porte ouverte. Après, effectivement, je ne sais pas quelle est la représentation de Twiza au Maroc, donc nous on pourra peut-être être relais de communication, mais ce sera surtout à toi de diffuser au sein de tes réseaux. Donc je ne sais pas quels sont tes réseaux. Donc ça, je ne peux pas te promettre qu'il y aura beaucoup de monde parce que sincèrement, j'ai pas du tout d'idée de comment on peut, enfin, de la représentation de la population Twiza au Maroc. Mais nous, on serait ravis effectivement, d'accueillir l'événement. Et si ça peut susciter des vocations et pourquoi pas faire émerger un potentiel Twiza Maroc, avec grand plaisir. Ok, merci. Et une proposition, après, voilà, encore une fois, je ne peux pas te promettre qu'il y ait beaucoup de monde. Mais bon, ça, cela dit, je peux le promettre à personne. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais, franchement, tentons-le. Tentons-le. Et ce sera avec plaisir, effectivement, pour accueillir ta proposition. Merci. Merci à toi. Merci. Pas gentil. Merci. Est-ce que je prends une multi-question ou on se dit souhaite une bonne soirée? C'est tout bon pour tout le monde? Ok. Encore une fois, si vous avez des questions, donc le forum ou par mail directement, nous on vous répondra rapidement. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va pouvoir accueillir vos différentes propositions dans les heures et jours qui viennent. Merci d'avoir été là. Et bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!